les enseignants togolais réunis au sein de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale et la coordination des syndicats de l'éducation du Togo envisagent une cessation de travail. Deux membres du gouvernement sont déjà avertis à ce propos. La promesse liée à la gratification exceptionnelle promise aux enseignants tarde. Il faut dire que cette gratification exceptionnelle devrait être versée depuis 10 mois. Les enseignants disent ne pas connaître les contours de cette gratification, notamment la date de son paiement, son montant. Elle traîne au point de conduire les bénéficiaires sur un pied de guerre. Deux grands regroupements de syndicats sortent de leur silence et avertissent le gouvernement à travers les ministres Gilbert Bawara et Prof Kokoroko. Ces derniers ont un ultimatum contenu dans leur lettre d'avertissement. Selon les termes de la lettre, les deux membres du gouvernement doivent prendre des dispositions au plus tard le 29 octobre 2021. Passé ce délai, les syndicats veulent joindre l'acte à la parole en appelant leurs membres à cesser le travail à compter du 3 au 4 novembre 2021. La FECEN et la CSE considèrent que, la subordination de la gratification exceptionnelle promise aux enseignants fonctionnaires à la revue complète du statut général de la fonction publique, est indilatoire. Dans une lettre au prof Kokoroko, la CSE de Yaovi Atswatcha dont l'objet est indignation, le coordonnateur dit craindre que le flou entretenu autour de cette gratification exceptionnelle et la lenteur de son paiement ne viennent remettre en cause l'accalmie constatée dans le secteur de l'éducation.